Hello tout le monde, c'est Rayleigh et nous nous retrouvons pour la suite de Golden Sun 2, l'âge perdu. J'espère que vous allez bien. La dernière fois, nous avons parcouru une bonne partie de la map. Comme vous le voyez bien, nous étions quelque part à Mikasala. On a remonté, on est passé à Madra. On a continué sur à l'est pendant quelques minutes. On est passé par la face de Gunwan et nous sommes arrêtés ici, donc au village de Naribui. Je crois que ça se dit comme ça. Et c'est tout ce que j'ai fait. Donc je vais profiter vite fait pour l'explorer, voir s'il n'y a pas quelques secrets que je peut voir, notamment cette échelle qui est honteusement cachée derrière des feuilles, honteusement et surtout très mal cachée. Bah tiens, ça alors, c'était presque impossible à deviner. Un licorne. Alors, un licorne ici. Guéri du poison. Ouais. Je vais le garder, ça. Une possible utilité, sans doute. Et c'est tout ce qu'il y avait. Très bien. Bon, en fait, il n'y a pas grand-chose dans ce village. J'ai pas très envie de parler aux personnes. Cette maison a une décoration, ça doit être le chef. Vas-y, si tu veux. Champignon, tiens. D'accord, est-ce que je me suis pas un peu fait entuber? Bah, 20 pièces, c'est pas grand chose. Je vais d'ailleurs faire le vide dans mon équipement. Ah bah tiens. Ce bâtonnet psy, je ne l'ai jamais vu. Pour toi. J'ai un peu de thune, donc ça va. Un orgue béni. Non. La masse d'air 2800, tu me la reprends. Mon doigt, ça te va? Un bec de corbin. Non, une hache. Non plus. Une rapière. Ah, une rapière est déjà très intéressante. Ah bon, bah faut déjà que je vende des trucs. Toi tu vas vendre cette merde. Ça je vais le garder, ça faut que je le déplace. Cette merde aussi. Et toi tu vas vendre la coiffe curative. Ça sert pas grand chose. Putain, elle a beaucoup de choses quand même. La carte mystère je vais la garder. Bon, la rapière, la donner au gentil monsieur. Tiens. Voilà, et passons à l'autre, les armures. Alors, ça c'est de la merde. Botte de sûreté, boost de défense, baisse vitesse. Non. Les objets qui donnent des malus, très peu pour moi. Alors, une robe mystique. Non. Une robe de soie. Plus intéressante. Une bonne chose? Non. Allons-y pour la robe de soie. Ensuite, un bouclier de fer. Nul. Un bracelet. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Non, le bracelet. Le même bracelet à Scylla. Alors, oh mon chapeau de bois. Un check. Inutile. Très peu de choix dans cette boutique. Un home. Ah, je prends le home. Voilà. Mes emplettes sont faites. Comme ça, j'ai bien rempli 2-3 minutes de vidéo. Une petite sauvegarde banane. Tiens. Explorer les alentours. Il faudrait que... A priori, il faut que j'aille nord. Ouais. Ouh, pas mal ça. Intéressant, il n'y a rien au nord pour l'instant, il y a un chemin. Il y a une fourmi aussi. Il n'y a plus de fourmi. Alors, si on me repérait, je peux pas zoomer, donc je suis obligé de me repérer comme une merde. A priori, il y a un chemin que je peux suivre à l'ouest seulement. Je devrais continuer au nord, il devrait y avoir quelque chose. Je vais aller à l'ouest. J'ai vu ce qui ressemblerait à un chemin. Ah mon dieu, j'ai perdu au moins 9 points de vie. En plus, je trouve pas mal de pièces d'or. C'est ça qui est bon, c'est ça qu'on aime. Bon là je me casse, j'ai dit je me casse, merci. Là dans ce petit coin, est-ce qu'il n'y a pas genre un garwolf, un garwal? D'accord. Alors soin. Bon bah continuons au nord. J'étais sûr qu'il y avait un chemin. Ah, j'ai dû me tromper. Ah mon dieu! J'ai pris au moins 21 points de vie. Mais je peux m'en aller. C'est la logique. D'accord, bon. Pas que vous m'énervez, mais j'en ai marre. Je vous demanderai donc de mourir gentiment. Voilà. Merci de votre compréhension. Vous êtes trop aimable. Où j'en suis? Oui, bah continuez le chemin au nord qui m'amène. Qu'est-ce que c'est que cette chose? De loin, on dirait un caillou. Des mondes qui bombent. Avec une musique qui n'est pas du tout raciste. Hein. Et des monstres pas du tout représentatifs de l'endroit. Ah, parce que les tam-tams dans un village qui ressemble fortement pour moi. Enfin voilà, vous m'avez compris. Je suis pas raciste, c'est juste que... On peut facilement se perdre dans qu'est-ce que... Oh, c'est bien une discussion. D'accord, donc j'ai un étrange souvenir de ce genre de passage.
Là, je peux faire un passage d'ailleurs. Pardon. Allez, maintenant on déplace ça. Voilà. Je n'ai plus qu'à passer par la droite. Peut-être un drop d'un quelconque objet. Un raccourci moisi. Bon, pourquoi pas. Ah mon dieu, il y a un garde. Et un caillou, pourquoi? Vite. Il ne remarque absolument pas que... En réalité, ce n'est pas moi qui fais bouger ce coffre. Ah, je veux bien le coffre. Nous sommes les futurs Solidier Snake. Dommage que nous ne sommes pas dans la bonne... temporalité. Un lutin. Bah, un lutin. Ça peut rien faire un lutin. À part donner des coups d'aile. Je t'en foutrais des monstres. Tiens, apprends-toi. Une baleine avec de grosses dents, je viens de remarquer. En même temps, le bestiau, c'est pas censé être quelque chose que tu peux facilement dompter. Il y a un coffre, mais comment faire? Heureusement, il y a une sortie. Vite, déplaçons cette caisse. Et puis qu'elle a poussé, il ne verra absolument pas qu'il y ait quelqu'un qui la pousse. Génial. Bon, maintenant, récupérons ce coffre. Une faux. C'est une arme. Ouais. Du coup, qu'est-ce que je... Un fer fougueux. Non. Tant pis. Il y a un garde. Mais comment faire? Y a-t-il un moyen de passer de l'autre côté? En fait, je sais pas. Attention. On s'attend au pire. Bonjour. Un intrus? Pas du tout. Culture ingrate. Raté. Bande d'ingrats. Bande d'ingrats. Bon, je sens que je dois utiliser... déplacer un bon nombre de fois. C'est parce que si je dois tout refaire, c'est pas que j'en avoir marre, mais au moins de raccourcis j'en ai fait. Bon, la question c'est comment je fais pour passer. Ça se trouve j'ai omis un détail, genre avoir Pierce avec moi. Il ne me verra absolument pas caché. Ah bah si, il m'a vu. Ils sont ingrats. Vraiment, je ne comprends pas. Je vais juste les piller. Et abuser de leur famille. D'accord, c'est un point non négociable. Mais quand même... «
Bon, que faire? Pousser discrètement cette caisse. Peut-être que c'est un endroit que je n'ai pas vu. Oui, je suis con. Encore un... une énigme. Oh, ça fait mal. Mon Dieu, on lance des moutons. Voilà, prière. Prière de ne pas s'asseoir. Prière en 200 par... Ouh, ok. Ah bah oui. Voilà, rencontre aléatoire diminuée. Il y a un chien. Je suis bloqué. Non, voir la vérité ne me servira à rien. Peut-être dois-je pousser ceci. Non, pousser. Voilà. Bon, si Vision pouvait cesser de faire effet aussi. Ah oui, on peut faire ça, j'avais oublié. J'ai du pain. Grâce à ça, je vais pouvoir faire le plein de protéines. Les protéines, c'est important. Oula. Ok. Donc, à chaque fois, j'oublie que ça ne marche pas. Ce n'est pas le bon bouton. Seulement un choix s'impose à moi. Zut. Si j'avais la psy-énergie tremblée, ça aurait été plus simple. Oui, parce que j'ai raté une psy-énergie en jeu. Enfin bon, ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Quoi? Je prends le risque de prendre l'objet. J'aurais bien aimé que ce soit juste le chien. Ah zut. Oh non. Oh non, vous êtes pas sympa les mecs. Ah mais vous êtes pas sympa du tout hein. Et ça veut dire que... voilà. Vos autres, vous les recevez comme des... baltringues. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Incroyable. Quel sens de l'accueil. Est-ce qu'il ne fait plus effet? Tu crois? Voilà. Est-ce qu'il veut faire effet maintenant? Qu'est-ce que c'est que cette armure? Celui qui me dit c'est une armure, c'est bien, tu es Captain Obvious. Tu ne sais rien faire d'autre, peut-être. Voilà, je vais la déplacer doucement. Et maintenant, il faut que je le déplace. Dès que celui-ci sera fin prêt. Attention. Maintenant. Hop là. Bon. Attends, je fais pas le même... je fais pas la même connerie qu'il y a quelques secondes. D'accord, c'était la même connerie. Je déplace. Et j'enferme ce chien de l'autre côté. Allez. What? Qu'est-ce que vient de se passer? Ah non, je suis pas d'accord. Le chien a bugué. Vous êtes tous témoins. Ah. Je pouvais faire ça. Bon. J'avoue, je découvre des trucs. Je découvre toujours des trucs. Parce que je suis un gros con. Oui, je suis un gros con. Il n'y a que ça à dire de moi. Est-ce qu'il ne fait plus effet? Je t'emmerde.
Voilà. Allez, cette fois on ne se plante pas. Et on va faire en sorte que le chien soit de l'autre côté. Oh, ça va être très long. Ça va être très long. Maintenant. Voilà. Et je récupère l'objet. Oh, c'est quoi? Ça me servira sans doute plus tard. Je pense. Ce n'est qu'une supposition. Bon, maintenant, passez le chien de l'autre côté. J'ai une question. Où il doit y avoir un chemin? Oui, bon. J'improviserai de toute façon. Voilà. Allez. Doucement. Maintenant. Coincé. Quoi? Pardon? Qu'est-ce que... Que suis-je censé faire? Que suis-je censé faire là? Ah d'accord. Ah oui. Oui là. Oula. J'ai failli ne pas m'en apercevoir. Je suis un pas doué. Je suis pas doué. Allez, un petit ellipse. Tiens, le chien, tu ne pourras plus jamais passer. Tu aurais pu si j'avais une psy énergie, mais non. Bon, sur la droite cette fois. Voilà. Je vais prendre ici parce que je suis sûr que l'autre côté c'est un piège en fait. Je suis sûr que c'est un piège gros comme mes fesses. Gros comme le tunnel obscur qui ne voit la lumière du jour. J'adore cette métaphore. Un raton. Eh ben, les chauves-souris, c'est robuste de nos jours, en fait. Les chauves-souris, pourquoi j'ai dit souris? Bon, techniquement, s'il y a un garde à cette hauteur, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi moi. Tiens, le garde, comme ton chien, je te passe au nez. Bon. Ouais. Puis y avoir de piège. Je veux ce jean. Où sont les jeans? Bon. Ok. Procédons par élimination. Je vais pas passer là, il me faut bourgeon. Bourgeon, il me faut une combinaison de deux jeans. J'en ai marre des lutins. Oh. 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 Je suis obligé d'avoir Pierce. Mais c'est génial. Ah, tu mérites mon point dans tes parties, si tu seulement tu en avais.
là, j'ai pas envie de combattre. Allez. Ah mon dieu, des notes. Esquive. Qu'est-ce que tu dis de ça? Espèce de gorille. Oui, je suis grossier. Non, pas ça. Ah. Est-ce qu'il y a un piège? Est-ce que genre, il n'y a pas quelque chose à droite? Une plage. Oui, très bien, donc je sais que je pourrais aller là. Un trépassé et une demi-niche. Enfin, une demi-niche ou un demi-niche. Non, je m'en fous. Bon, je vais m'arrêter au prochain endroit parce que cet endroit est enfin cet épisode commence à me pomper sur les nerfs avec ses gardes. J'ai fait du Metal Gear Solid durant cet épisode. J'ai le droit de me reposer. Il faut que j'aille au nord, mais bien au nord. Et il faut que je faut que j'attrape le djinn qui se trouve juste là, comme ça je pourrais invoquer Thor. Thor qui, je le rappelle, est une invocation de djinn de Jupiter de niveau 4. Ce serait génial même. Ok, là y a rien. C'est con qu'on puisse pas se déplacer tout en maintenant elle. Non, ennemi. Une meilleure vue. Il y a quelque chose ici, d'accord, ok. Plus d'ennemis. D'accord. Bon, puis-je savoir qui fait la fête? Y a personne, y a beaucoup trop de monde pour que je puisse. Excusez-moi, non. Je voudrais. Bon, puis merde. Bon, peut-être y a-t-il un chemin alternatif. Non. Je dois pouvoir passer. Bien fait de récupérer relié dès le début. Qu'est-ce que je ferais sans relié? Je suis sûr qu'il y avait un autre chemin. Mais j'ai pas envie de le chercher. Alors, il y a des lianes. Ok. Non, je ne pense pas qu'il y avait un autre chemin. Non. Non. Ok, très. Non. Excusez. Non, mais je voudrais passer. Bon, peut-être reste plus loin. Ah, c'est une vague. Et de très mauvais goût, si vous voulez mon avis. Ouais, admire le spectacle. Vendu. Non. Ah. Non mais je sais pas ce que je veux. On n'aurait pas vu un personnage assez grand, un homme avec des cheveux bleus. Non. Bon, bah allez vous faire mettre. Je n'ai pas d'autre insulte à une civilisation telle que vous. Vous ne laissez même pas passer. Vous êtes méchant. Je suis sûr qu'il y en a un qui peut m'aider, genre toi. J'essaye des trucs. Ça ne marche pas. Oui.
J'ai trouvé du poivre. Je vais pouvoir assaisonner tous mes petits plats. Mon secret, le poivre. Chance sur... Non, attendez. Pour vérifier s'il y a de la chance. Voilà, il faut les lier. Et donc là, qui a de la chance? Pavel. Bon, messieurs, dames. Non, mais messieurs, dames. Je sais que c'est impressionnant, mais je voudrais passer. Que vous vous foutez tous de moi. Je me barre. Non, il doit y avoir quelque chose. Je ne finirai pas cet épisode tant que je n'aurai pas compris. Je comprendrai. Si je veux. Vous avez de la chance que j'ai pas, mais que j'ai pas pu avoir Siris. Monde de crétin. Pas une pierre par laquelle je pouvais passer. Celle sur le côté. Je vais réessayer la pierre, celle sur le côté. Peut-être ai-je omis d'essayer cette possibilité. Pour l'instant, je vous laisse profiter du rythme des tam-tam qui est répétitif, oui. Mais bon, je suis sûr que... Non, il faut que je descende. Non, vieil homme, décale-toi, pousse-toi. Enfin, bon, moi j'abandonnerai. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter dans ce village de Kibombo. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas comme d'habitude de laisser le pouce vers, des commentaires, de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Twitter, @raelus1. Bon jeu et à la prochaine.